Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vous présente le plus gros blockbuster attendu de l'année 2013. J'ai l'honneur de vous présenter The Last of Us, le jeu qui est édité par Sony, développé par Naughty Dog, qui sortira aujourd'hui même, soit le 14 juin 2013. Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Pour ceux qui ont vu certaines vidéos, vous devez forcément vous en douter. À vous rappeler que Naughty Dog sont les créateurs de Crash Bandicoot et de Uncharted, deux gros blockbusters aussi, à savoir que la maison d'édition fait franchement des malheurs. Donc, sans plus attendre, je reprends le jeu en cours de partie, parce que voilà, d'habitude je fais deux, trois petits chapitres, je les joue, manière de pas me paumer. Or là, voilà, je décline toute responsabilité, parce que là c'est vraiment du direct, je découvre le jeu en même temps que vous. Et de ce fait, j'ai aussi activé les sous-titres, comme vous savez très bien que je baisse le son de la vidéo Si je ne principalement t'ai pour pas d'accord. pouvoir, pour que ma voix prime bien sûr. J'ai activé les sous-titres qui sont disponibles dans Comme le vous voyez jeu. le monde d'une façon Dans le assez jeu, qu'est-ce qui est disponible? Nous avons donc différents modes de difficulté, facile, normal, difficile. Ouais, Nous d'accord, pouvons on va adapter parler le un jeu petit en peu plusieurs après. langues. Et j'en viens déjà à Pour ce l'instant, premier point. oui, parce qu'il a fini par laisser Je ne vais tomber. pas dire que c'est un point négatif, mais bon, il faut quand même que je relève 2-3 points, c'est un petit peu mon Je job. crois que la dernière chose qui nous effraie, Éviter de faire la même erreur que c'est moi, de le jamais mettre en revoir ta scène. français. Tout simplement parce que la VF en fait est Ça, un on va peu savoir gérer. décalée au niveau En tout cas, de la mouth motion, quoi. En fait, on dirait qu'il parle un peu en décalé, c'est un peu dommage. allez, on va Donc, tenir. on dirait que les sous-titres après arrivent 30 ans après. Donc voilà, essayez mettez-le en anglais, puis les sous-titres en français. Voilà, ne faites pas cette énorme erreur de gros noob comme moi. Voilà. Enfin bref. Donc je dirige le héros principal qui s'appelle Joël. Je suis accompagné d'un IA tout au long du jeu qui s'appelle Ellie. J'en viens au point. Donc du coup, parlons de l'IA. Il s'agit donc d'un IA qui va quand même fortement vous aider dans le jeu. C'est pas un IA assez Ça boulé là-bas, quoi. c'est une centrale Pour une fois, hydroélectrique. même si elle ne sait pas nager, donc ça va être un petit peu chiant. Des fois, il va falloir aller faire des détours, Ça etc. Mais bon, utilise ça fait l'énergie de partie la du jeu. rivière Ce n'est pas et un ça point la négatif transforme en non plus. électricité. Elle vous aidera énormément. Elle va vous dire où sont Je les sais ce que ennemis. c'est Si, par et comment exemple, ça dans la fonctionne. caméra, imaginons, je vise quelque part. Eh bien, elle me dira ennemi derrière toi parce que je ne l'aurais pas vu avant en fait. Donc c'est vraiment sympa, il faut énormément se fier. C'est un jeu où il faut souvent écouter tout ce qui vous entoure parce que même les ennemis de leur côté, si vous tirez par exemple et que vous n'avez plus de balles, vous allez entendre le fameux clic de la gâchette qui va percuter votre arme. L'ennemi va reconnaître ce son, il va venir de suite vous attaquer. Enfin voilà, il faut énormément écouter ce qui se passe autour de vous. Utiliser. Ouais. Alors, donc là j'utilise un couteau. Oh, mon dieu, Et j'ai voilà. tellement de choses à vous dire sur ce jeu. Un couteau, attendez, que je vous le montre brièvement. Ce couteau, je l'ai où? Je l'ai où? Non, je l'ai dans mon sac. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. En fait, nous avons dans notre sac un phénomène, enfin un style d'alchimie pour pouvoir créer des medikits, des couteaux pour pouvoir repousser certains ennemis, ou est-ce que en fait s'ils nous touchent au corps à corps, ben on est de suite mort. C'est la seule façon de les repousser. Donc essayez d'en avoir toujours un voire deux sur vous, c'est assez important. Vous pouvez créer des cocktails Molotov et d'autres bombes que vous découvrirez en faisant le jeu, des bombes à clous en fait, assez dévastatrices. Les medikits ne se trouvant pas du tout, vous trouverez uniquement des conserves de rationnement qui vous remonteront un peu la vie. Il faut savoir que voilà, vous devez vous créer vos propres medikits pour pouvoir vous soigner, avec forcément les ingrédients que vous récolterez tout au long du jeu qui s'affichent à droite. La pilule, ça activera vos compétences, il faut en avoir certains, ça se récupère en fait au sol directement. Rayon du mode écoute, oh là là, je dois vous parler aussi du mode écoute, que de choses. Voilà, ça va augmenter vos compétences et ça, ce sont des petits indices que l'on trouve au cours du jeu. Que je vous parle du mode. À me tromper de touche. C'est en fait c'est une concentration quand vous appuyez sur la touche. R2, voilà, il demande à faire silence autour de lui pour pouvoir se concentrer et ainsi percevoir les ennemis. Bon, là, je vois Ellie. C'est assez sympa pour savoir où sont les claqueurs qui sont des ennemis. En fait, vous avez les coureurs, les claqueurs, vous avez les. Comment ils s'appellent les autres?
Enfin, je me rappelle plus du nom, mais de gros monstres énormes. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes d'infectés, avec chacun leur propre compétences, on va dire. Voilà, certaines sont aveugles, vous ne devez absolument pas vous faire repérer. D'ailleurs, par exemple, vous devez vous baisser de temps en temps pour ne pas vous faire choper par ces monstres aveugles parce qu'ils vous repèrent uniquement au son. Voilà. Et on retrouve vraiment le côté Uncharted quand l'habit est mouillé, on voit vraiment. C'est impressionnant graphiquement. Voilà, le jeu, ah oui, que je vous dise quand même, il a eu 19 sur 20, motherfucker. C'est impressionnant. Il le mérite énormément. C'est un jeu qui est rempli de rebondissements. Franchement, il n'a pas fini de nous étonner. Et je fais comment pour aller là-bas? Je vais tenter de faire le fou en passant dans le lot. Donc voilà, non, franchement, il est impressionnant. C'est un jeu très immersif. Et franchement, moi, je ne regrette absolument pas l'achat de ce jeu. C'est un jeu qui est superbe. L'histoire, pour vous en parler plus précisément. Je vais trouver un truc. Ah Reste oui, ici. aussi, vous avez différentes touches pour pouvoir aller au fond de l'eau et ainsi donc, du coup, pouvoir aller dans divers endroits du jeu parce que vous allez devoir souvent être sous l'eau pour pouvoir accéder à d'autres lieux tout simplement. Là, oui, ben, voilà, apparemment, fallait passer dans l'eau, non? C'est pas par ici? Bizarre. Est-ce que je vais me faire choper par le truc? Non, je vais quand même essayer de faire le tour parce que ça m'a l'air un peu gros comme histoire. Non, ça m'a l'air d'être bloqué par là aussi. Mon Dieu, que je ne sois pas bloqué déjà dès le début de la vidéo, quand même. Parlons, continuons de parler du jeu. Nous avons, donc du coup, vous allez entendre. Enfin, durant les temps de chargement, en fait, voilà, ça va vous mettre un petit peu sur la piste. Et bien, sachez que. Ah mais je crois que je dois monter là-dessus, voilà tout simplement. Je tombe si je vais là-dedans, voyons. Attendez, je vais peut-être assister à un suicide. Non, je ne peux pas tomber, tant mieux, ça tue, j'éviterai un epic fail. Bon, il faut que je passe ailleurs apparemment, parce que je vais joindre du coup les deux barricades pour le barrage. Oui voilà, il faudrait que je passe de l'autre côté. Comment je vais activer ça, moi? Ah, il faut que je trouve un autre endroit de l'autre côté. Donc voilà. Je parlais de quoi? Oui, dans le temps de chargement, vous allez voir, oui, aussi, ben voilà, des astuces qui sont livrées au cours du jeu, vous avez le droit de les activer ou pas dans le jeu, tout simplement éviter de vous perdre. Ben, Dieu merci, moi qui suis plutôt un avare de facilité, oui, désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'activer les solutions dans le jeu. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Il faut que j'aille là-dedans. Qu'est-ce donc que ceci? Tu vas réussir à l'ouvrir ou pas? Il faut que je trouve une autre entrée, je pense. Il faut que j'aille là-dedans. Ouais, je vais juste remonter pour l'apnée. Il faudrait que je trouve une entrée. Ouais, voilà, là voilà. Je parlais des temps de chargement. Vous verrez des lucioles, en fait. Voilà, retenez bien ce mot. C'est un mot assez important car c'est un groupe de personnes considérées comme terroristes pour certains, comme sauveurs pour d'autres personnes. Enfin, voilà, je ne vais pas essayer de vous spoiler la chose. Alors, faut que. Ouais, ben voilà, je vais devoir l'écarter. Beaucoup de cinématiques super bien faites qui vont nous accompagner dans le jeu pour pouvoir continuer à suivre ce scénar surprenant, génial. Voilà, c'est tout simplement génial. Vous voyez, voilà, j'ai dit qu'elle ne sait pas nager, justement, donc vous devez vous aider des fois de planches, par exemple. Donc je vais sûrement la mener pour qu'elle aille activer l'autre. Comment ça s'appelle? L'autre valve hydraulique pour enfin joindre le barrage. Voilà, non, non, tu ne vas pas tomber, ne t'en fais pas. Donc voilà, je parlais de ces lucioles. Bon, je ne vais pas quand même vous en dire plus. À savoir que ce groupe veut en fait cette fille car elle détient en elle, son code génétique détient peut-être la clé d'un vaccin à cette épidémie qui est arrivée aux États-Unis, voilà, donc je ne vous apprends rien. Si vous avez un petit peu vu sur Last of Us, c'est un survival horror, donc voilà, désinfecté, des pseudo-zombies, voilà, appelés coureurs, claqueurs, comme je vous ai dit, voilà, différents Allez, vas-y, ennemis tourne. qui seront présents dans ce jeu.
Ensuite, voilà, je parlais de ces lucioles, voilà, qui sont pendant le temps de chargement, voilà, un léger petit point négatif. Je trouve que le temps de chargement uniquement pour lancer le jeu, pas pendant les phases, est quand même un peu longué sur les bords. Donc, quelle équipe? Oh, c'est mignon! Mon dieu, c'est adorable! Je reviens, je vais vomir. Enfin, bref. du coup, voilà, temps de chargement juste un petit peu long. Voilà, bon, écoutez, franchement, je vais vraiment pas chipoter au niveau des points négatifs. Parce que, il y en a quasiment pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais continuer un petit peu à vous parler de l'inventaire. Je vous ai montré le sac à dos où est-ce que l'on pouvait créer différentes choses, cocktails molotov et autres. Du côté droit des touches analogiques, vous avez les armes de poing. Gauche, vous avez les armes secondaires dans votre dos. Bien sûr, je n'ai pas que le fusil à pompe. Vous maintenez croix pour avoir l'arc, un fusil à verrou ou un fusil à pompe comme j'ai sur moi. Le fameux pistolet qui tire deux balles de fusil à pompe, on se retrouve un petit peu dans l'Uncharted. Les différentes bombes que vous avez créées avec vous. Des briques à jeter sur vos adversaires pour pouvoir les amener ailleurs, etc. Enfin voilà, assez facile d'utilisation, ça va. Bon, au début, quand on sera pris un petit peu par l'adrénaline, on risque un petit peu de se perdre dans les touches. Ça, je le reconnais un peu. Mais bon, c'est qu'une habitude qui est très très rapide à prendre. De toute façon, vous le savez tous, une fois qu'on a fini le jeu, on le connaît par cœur au niveau du gameplay. Je vois qu'il y a une station, un poste. Je me demande ce que c'est. Ah, la carte. On avait parlé d'une éventuelle carte et il faut que j'aille retrouver une nouvelle arme. Voilà, quand il trouve une nouvelle arme, il y a une légère cinématique, vous le voyez par vous-même. Ça m'a l'air d'être un Magnum 45, ça. El Diablo. Ok. ça risque de partir. Voilà, les pauvres chili con carne. Donc, nouvelle arme, voilà, vous pouvez la sélectionner avec croix, vous sélectionnez vos différentes armes. Voyons la gueule qu'elle a. Croix pour zoomer. Ouais, bon, c'est comme un sniper, quoi, d'accord. Ben, on va voir ce qu'elle vaut. Faut-il aller où? Faut-il aller ben, par là. Voilà, je vous reparle du jeu. Voilà, c'est ça. Enfin, l'épidémie se déroule aux États-Unis. Il doit aller voir Tommy, qui est son frère. Et là, on se fait attaquer. Lui, fais ce qu'elle te dit. Ils vont se faire attaquer. Comme je vous ai dit, voilà, plusieurs phases assez bien faites au niveau de la vidéo. Vous voyez qu'il a les cheveux, enfin, une barbe légèrement grisonnante. Ça se passe 20 ans après, oui, car le jeu démarre quand il a, on va dire, une trentaine d'années. Ah, ben le voilà, ça y est, on l'a trouvé, son frangin. Oh merde, viens me faire un kissou. Enfin... Et donc, voilà. Gros spoil, bouchez-vous les oreilles pendant 5 secondes si vous voulez pas le savoir. 3, 2, 1. Il perd sa fille. Sa fille meurt au début et donc va se lier d'amitié avec cette petite fille qui, lui, enfin pour lui, va un petit peu la remplacer. Voilà, petit côté sentimental. Voilà, spoil fermé, vous pouvez vous déboucher les oreilles. Donc voilà, le jeu se passe après 20 ans, enfin, 20 ans plus tard, voilà, pour voir où en est l'épidémie. Et donc voilà, on vit le début de l'épidémie et on voit ce qu'il en est après, ce qui se passe. Que vous dire de plus? Le jeu quand même peut être assez dur, que ce soit en mode normal. Après, non, c'est vrai, ouais. Non, j'accentue un peu les choses, j'extrapole les choses. C'est vrai que facile, non, il n'y a pas de grosses difficultés. Néanmoins, peu importe le mode de difficulté, les balles se font assez rares pour les armes. Donc il faudra quand même les économiser. Trouver une façon différente de les utiliser. Parce que là, voilà, vous avez différentes méthodes pour pouvoir, comment dire, les... utiliser vos balles, voilà, vous avez... vous pouvez par exemple utiliser plutôt du corps à corps pour les économiser, voilà, faire différents scénarios pour essayer de vous en sortir. Serait-ce le moment où nous allons monter à cheval? J'aimerais quand même vous montrer une phase de gameplay contre un ennemi, parce que voilà, j'ai pas l'impression d'avoir choisi un bon moment du jeu. Donne-moi un coup de main. Ben ouais, écoute. Moi j'aimerais bien vous montrer quand même une phase. Est-ce que tu vas me mettre un coup dans la gueule? Non. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà les points positifs. Voilà des graphismes notamment très impressionnants. Ça fait un an qu'on attendait. Nous l'avions eu dans les. On en avait parlé pendant l'E3 en 2012. Parlant de l'E3, il va falloir quand même que je vous parle d'un petit point parce que tout le monde en parle.
je vous donne un peu mon avis dessus. Moi qui suis un pro Sony, on va dire que je suis un petit peu aux anges en ce moment avec toutes les rumeurs qui se passent. Vous devez bien vous en douter. Je vous en parlerai juste un petit peu plus tard. Je peux pas monter sur le canasson. Bref, c'est bizarre. Que je vous parle d'autre chose. Voilà, par exemple, de l'infection, comment ça se transmet. Bon, il suffit justement de se faire mordre, ça reste comme un zombie, etc. Mais là, non. Bon, après, faut aller ailleurs. Bon, du coup, on ne peut pas le passer, cette phase. C'est bien dommage. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il suffit de se faire mordre. Ou tout simplement, ouais, un peu griffé, comme un simple zombie, voilà. Et la transformation s'effectue au bout, voilà, 2 jours maximum, on est déjà infecté, on devient cette chose bizarre. Voilà, c'est assez rapide, oui, voilà. Et donc, elle, cette petite fille, comme je vous ai dit, détient le code, enfin, un code génétique assez particulier qui lui permet peut-être de trouver un vaccin à ce virus parce qu'elle a été mordue il y a, à ce moment-là du jeu, ça doit faire 4 semaines qu'elle a été mordue et aucune. Certes, elle a des séquelles, elle s'est fait mordre au bras, mais aucune. Rien du tout, en fait, voilà. Aucun changement physique apparent, ni de. Fièvre, comme ils disent, ou un comportement différent. Bref, voilà. Je trouve, moi personnellement, oh, voilà sa fille. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas écouté la parenthèse spoil. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de phases de combat. Ce que je vous propose directement, quand même, pour vous en faire profiter, parce que ce serait con que je recite tout en choisissant un meilleur moment de la vidéo, je vous propose de me retrouver de suite sur une phase de gameplay. Pour conclure ma vidéo et de vous parler un petit peu du point de l'E3 que j'ai noté, parce que quand même il faut que j'en parle, si c'est pas maintenant, ce sera jamais là pour le coup. Donc je vous retrouve de suite pour une phase de gameplay plus stridente et plus combative, si je puis dire. À de suite! Et re tout le monde pour cette phase de gameplay que je vous ai dit. Donc on va de suite tester enfin ce Magnum Sniper. On va voir ce que ça vaut. Enculé le recul que tu t'es pris mon gars. Donc voilà. Je voulais aussi préciser. Oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Honte à moi. Franchement c'est une grosse erreur et je m'en excuse. On est bien sûr. Voilà, vu que c'est la seconde partie. On est toujours sur consolefun.fr. Voilà si je fais pas quand même une dédicace à ceux qui éditent mes vidéos sur leur chaîne. Franchement ça se fait pas. Désolé voilà manque de synchronisation de ma part quoi. Mais bon voilà demain un gros blockbuster. Tant d'émotions. Il fallait vraiment que je vous parle de tout ça. Il y avait tellement de choses à dire. Voilà j'en ai vraiment oublié le béaba. Je suis vraiment désolé. Je m'en excuse auprès du site. Donc voilà, nous sommes, grâce à Console Fun, voilà, à la présentation de Last of Us. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Je vous ai dit, je vous montre cette phase de gameplay. Là, je fais un petit peu de corps à corps pour vous montrer. Je vais un petit peu tester différentes armes. Si on m'en offre l'occasion, oui d'ailleurs. J'active donc du coup la concentration. Qui m'a permis de voir un ennemi de l'autre côté avant que je me fasse exploser la gueule comme un bleu. Voilà, et je vous ai dit que j'allais parler un petit peu de l'E3, tout simplement parce que là, il fallait quand même que je cite un point. Putain, il faut. Oh là là, il y a trop de monde, casse-toi. Bon, faut que j'arrête, parce que ça, c'est un de mes gros problèmes, je fonce dans le temps. Je suis vraiment trop con. Par contre, vous l'avez vu, je lui ai pété le bide au premier, là, avec le flingue. Putain, vous avez vu quand il se soigne, on voit les bandages sur le bras, c'est magnifique, il y a tellement de choses à voir, à retenir. Le meilleur, bon bien sûr comme je vous le dis souvent, hein, c'est de vous faire une idée vous-même. Prends-toi tout ça dans la gueule, vous verrez après tout ce qu'on peut faire. Quoi. Donc voilà, et après on peut lui craquer la gueule, le cou pardon, ah ben non, vas-y. Ouais voilà, j'avais vu qu'il l'avait raté, donc voilà, oh, quelle horrible façon de terminer comme ça, le pauvre. Un tuyau de canalisation, tiens. Donc voilà, je vous parlais vite fait de l'E3 parce qu'on parlait de Last of Us du coup dedans, dans le 2002. J'en venais à parler du gameplay, on a tendance à depuis un an. En parlant de gameplay, je voulais vous dire quand même qu'on n'a pas retenu un point pas négatif, enfin si, du côté de la conférence Sony. En parlant de gameplay, c'est le gros freeze de la présentation de Black Flag. Mais on vient quand même un gros point, c'est que si Sony arrive à nous faire oublier, parce que personne n'en parle dans tous les commentaires de ce freeze, certes même si on était énormément gêné pour lui, personne n'en a parlé, et une conférence qui arrive à nous faire oublier un tel problème technique qui a duré quand même plusieurs minutes, parce que la vidéo quand même, le mec a insisté, quoi, il en voulait, il continuait.
à nous faire oublier quand même tout ça, nous envoyant du lourd à la fin. C'est que vraiment la conférence est super bien passée en termes des yeux, voilà. Donc je vous l'ai dit, voilà, moi pour un pro Sony, je suis aux anges avec ce qui a pu se passer entre les deux confs. Ce soit le. Tiens, lui, je l'avais pas vu. Hop, ça, dans la gueule. Putain, je me loupe. Voilà. Et donc, voilà, enfin, l'occasion friendly, qu'est-ce que c'est ce. Voilà, ouais, on nous a dit, voilà, limite, Xbox était content de l'annoncer, quoi. C'est une révolution. Ah oui, je vous l'accorde, c'est une révolution. On l'avait jamais vu avant, on n'espérait jamais le voir, mais bon, c'est arrivé, dommage pour vous. Enfin, après, je suis là à critiquer, certes. Mais bon, je suis à la base un collectionneur, il arrivera tôt ou tard parce que j'achèterai la X1 aussi. Et il faut avouer que le jeu Rise est un jeu qui me fera regretter énormément d'être un pro Sony. Parce que c'est un jeu, franchement, qui m'a énormément mis l'eau à la bouche. C'était tout simplement impressionnant. Et j'aime bien juste à terminer cette parenthèse de l'E3 avec à la fin, le type qui nous dit. Enfin, le mec, Like a Boss, il arrive de nulle part à nous présenter le jeu de Bungie, etc. Et en fait, nous parler du prix. Même si l'E3 avait commencé pendant 40 minutes, où on nous parle de la Vita, enfin, de choses complètement. Voilà. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, certes, on aime Sony, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Vita? On était venu pour voir la Play 4, voir sa gueule, et voir le prix, quoi, voilà, ainsi que la date. Bon, la date n'est pas sortie, tant pis. Mais bon, voilà, le mec, il nous dit à la fin, ah oui, vous êtes venu pour ça, la X1 coûte 499, la nôtre 399. Au revoir. Le mec, Like a Boss, quoi, c'était limite la classe, une orgie, même un stade de foot n'a pas fait autant de bruit à cette annonce. Enfin. Tout simplement pour vous dire que voilà, c'était une bonne conférence. Voilà, ça c'était mon point de vue sur la chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc c'est une phase de gameplay comme je vous disais. J'ai essayé un petit peu de tester toutes les armes, voilà, pendant que je vous le montre. Je suis vraiment trop con. Il faut que j'arrête de foncer dans le tas. Il y a trop de monde. Voilà, regardez, je suis pas explosé, mais je vais continuer. Hop là. En plus, si tu me finis les trucs, un petit peu de concentration pour voir. Toi, t'arrives. Oh, bim, le HS. Magnifique. Donc voilà. J'ai choisi quand même cette phase de gameplay qui, certes, suit le jeu, le scénar. Mais franchement, j'espérais avoir des résistants humains contre moi et pas des infectés, parce que toutes les vidéos qu'on a vues, c'est forcément des infectés qui lui tombent sur la gueule à Joey. Joel, pardon. Tiens, prends-toi cette bouteille dans la gueule et prends-toi. Oh, le coup de hache dans le foie gras! Magnifique. Voilà. Contre des ennemis capables de riposter. Voilà, je voulais quand même vous montrer ça parce qu'on n'en a pas souvent vu dans les vidéos. Donc voilà, c'était voilà, cette phase de gameplay que je tenais quand même à vous montrer. Voilà. Donc il n'y en a plus aucun, ouais, mais voilà. Et ben, on arrive sur une phase de vidéo beaucoup mieux faite, voilà, comme je vous ai dit, avec des graphismes, etc. Donc voilà, c'était pour vous présenter du coup cette phase de gameplay un petit peu, pour vous montrer un petit peu toute la vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'espère du coup que ma vidéo vous a plu. C'était donc la vidéo de présentation de The Last of Us exclu PlayStation 3, qui est sortie du coup aujourd'hui. Une fois de plus, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous retrouve donc prochainement pour une vidéo supplémentaire. Je vous dis à très bientôt. Et à ciao tout le monde!